Warning. 3, 2, 1. Les ongles qu'on a faites, ils sont vraiment juste trop magnifiques, puis ça me fait vraiment de la peine à enlever. Mais il faut qu'on les enlève. Fait que je vais vous montrer comment j'enlève celui-là avec ma bite. Puis ma cliente, elle m'a dit « Non, non, c'est un embout. » Puis moi, j'ai dit « Non, non, c'est une belle grosse bite! » Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment grosse. Quand. Fait que, on y va! Non. Et voilà! Fait qu'on a tout enlevé, puis on voit que son ongle est très, très sain en dessous. Je laisse tout le temps une couche de clair sur l'ongle naturel, comme ça au moins je suis capable d'enlever toute ma couleur sans avoir à craindre de faire mal à son ongle. Elle avait un décollement de là jusqu'à là à peu près. Fait que ça, on est allé enlever ça avec le Dremel. Fait que là, je vais passer aux autres, puis on revient après. Bye! Fait qu'on voit... Ses ongles sont toutes en santé. Beau, beau, beau. Il n'y a rien en dessous. Une protection de gel qui est encore là. Fait qu'on va pouvoir aller préparer ses ongles pour le recouvrement. Hihihi! Bon retour. C'est flou. Hey, c'est pas flou. Fait qu'on voit ici qu'elle avait un décollement jusque là. Fait qu'en haut, c'est son ongle naturel. À partir de là jusqu'en bas, c'est du gel. Ça, c'est du gel. Ça, c'est son ongle naturel. Il faut qu'on fasse attention. Fait qu'on pousse la cuticule de manière ferme, mais sans y faire mal. Puis moi, j'aime bien aller nettoyer la cuticule avec ma petite Dremel. Fait qu'on va aller faire ça. Bon! J'ai sorti ma bite. Mais ça, c'est une petite bite. Oui, c'est une petite, toute petite bite. Tout mini, toute cute. Puis là, moi, j'ai remarqué que c'est plus facile pour aller nettoyer ma cuticule quand je suis en mode inversé. Fait que ma bite, elle va pas du bon sens. Ah! Voilà, comme ça. Là, on prend une lime neuve qu'on va aller s'assurer qu'elle ne coupe point. Voilà. Puis on va limer.
Doucement. Pas faire mal. Comme vous oubliez ici, ça c'est du gel. Fait que de là jusqu'à là, c'est du gel. Ici c'est du gel, là c'est son ongle naturel. Ici c'est du gel. Je vais éliminer la démarcation pour qu'on ne puisse plus le voir. Enlever la vieille couleur au complet. Puis là, elle a demandé qu'on ne raccourcit pas. Mais il faut que vous compreniez que cette cliente que j'adore, elle prenait ses ongles ras avant. Jamais, jamais, jamais c'était aussi long que ça. Jamais. C'est tout un accomplissement. Comme ça. Non, il manque un côté là que je voyais pas. Est-ce que ma caméra me cache? Ma caméra me cache. Ça fait pas mal? Non. Ah, voilà, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Et voilà. Fait que là, on prépare l'ongle pour recevoir le gel et on revient. Ah! Non! Il est croche! Là, il est drette. Il est drette? Oui, là, il est drette. OK. Fait qu'on a mis la base. Comme qu'on peut voir, on dirait qu'il n'y a rien, aucune démarcation de son ongle au gel qui était déjà là. Fait que là, on va aller dans le mauve. Donc, on va mettre tout le monde. C'est-tu que c'est beau, ça? Fait que moi, je travaille la couleur en dessous de mon gel. Fait que ceux qui travaillent gelus, je sais que vous travaillez la couleur par-dessus le gel. Moi, je travaille le plus souvent la couleur en dessous. Certaines couleurs que je vais travailler par-dessus. Donc, on met première couche. Puis, je ne la peinture pas, je la flotte. C'est-à-dire que je l'amène, je l'étire, mais en mettant aucune pression sur mon pinceau. Là, ça, j'aime pas ça. Pour aller toucher. Cuticule. Pinceau qui est dans le chemin de la caméra. Ah! Je m'accroche partout. Cure-dent! Cure-dent là, puis... Cure-dent là. Puis on cuit! Fait que, pendant que ma cliente est cuite, on va aller mettre ça par-dessus. Je sais pas comment, mais on va voir. Je trouve que ça va être beau. Mais ça se peut que je change d'idée aussi, fait qu'on sait jamais. Oui, parce que là, elle est en pleine création. Ouais. Puis je change souvent d'idée. Puis là, des fois, je fais comme quelque chose. Là, je trouve ça super beau. Là, on fait toutes les autres 10 doigts. Là, on fait comme, ouais, lui, il est plate, hein. Puis là, on revient, puis là, on met des affaires dessus, puis on fait, oh my God, c'est donc bien beau! C'est long de cuire. J'ai le temps de dire, ben, des niaiseries. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple! Là, il fallait pas que je dise ça parce que j'ai pas les droits d'auteur! C'est François Pérusse, les droits d'auteur. Bonjour François Pérusse, si jamais tu écoutes mon vidéo. OK. Il est cuit. Oh, ça va être. Oh, oh, ça va être. Oh, ça va être beau! Toi, je vais te tasser. Fait que. On va aller. Attends, je vais juste mettre ça ici de ce côté-là. Je ne veux pas en avoir beaucoup. On va faire... Là, c'est ça, là. Ah, oh, c'est-tu que c'est écœurant? Oh my God, il est tellement mongol. Ça, c'est un glitter. OK, ça, c'est Grace Kelly qui est sorti dans la collection automne. Là. Puis, il est rose, mais
il change avec chaque couleur que je l'ai mis dessus. Fait qu'à chaque fois, je découvre comme une nouvelle couleur. C'est vraiment hot. Comme ça. On va aller chercher un petit peu de... celle-là. Faire comme un effet de dentelle là-dedans. Ce que j'aime du gel, c'est un petit peu gosser avec. Pendant 4 heures, ça figera pas. La résine, ça fige. L'acrylique, ça fige. Le gel, ça fige pas. On va mettre ça comme ça. Puis là, on va aller mettre... Ça a l'air de quoi, ça? Ça a l'air cool! OK! Fait que là, on a décidé de continuer à mettre celui-là. Ici, ici. Puis on le descend dedans l'autre. Ça a l'air de quoi ça? Un petit peu sur le côté. Encore un petit peu plus. Reste là. C'est beau, ça. Ça, j'aime ça. On voit moins... Tantôt, on voyait comme une ligne... C'est ça qu'on discutait quand la caméra ne roulait pas. On voyait une ligne. On voit plus de ligne. Ça, c'est poupi, poupi, patoute. On va aller cuire! Cuit. Fait que là, on a décidé, en fait, j'ai décidé de mettre des opalites. Pas des opalites. Les opalites, c'est Valérie Duchamp. Elle, c'est du Dragon Skin. Mais là, je l'ai ouvert. Je ne vais pas leur puirer. Dragon Skin. C'est flou. Numéro 8. On va aller voir ce que ça donne dedans. Je viens de l'acheter. Fait que je vais l'utiliser. Toup. Non, pas beaucoup. Ça ressemble à quoi, ça? Bon, c'est beau, ça. Qu'est-ce que t'en penses, cliente? C'est-tu beau, ça? C'est super beau. On n'a pas besoin de cuire. Mais je vais quand même fermer mes pots, du moins les tasser, parce que là, je vais encapsuler. Fait que on encapsule. Qu'est-ce que je disais tantôt? Que moi, je mets ma déco, ma couleur et tout en dessous. Comme ça. C'est justement parce que personnellement, je trouve que ça me donne un meilleur contrôle sur ma forme à la fin. Là, j'essaie de pas trop frotter pour pas déplacer mes opalites que j'ai juste collé dans le collant de l'autre que j'ai pas actuellement collé avec une couche de couleur parce qu'on voit que j'en ai ramassé sur mon pinceau. Boum. OK, là, je vois croche. Moi, je vois
accroche parce que je regarde à côté de la caméra. Mon cou est cassé. Je vais avoir un torticolis de la mort. Ça ressemble à quoi ça? Oh my god, c'est beau! Ok, vas-y, cuit! Go! Ah! Fait que madame a cuit. On voit que j'aime sculpter la forme le mieux possible avant de limer. Faciliter l'image un petit peu. On enlève le collant. Fait que là, tout est en dessous. Puis je peux aller affiner ma forme. Qui n'est pas super parfaite, mais pas loin. Fait qu'on va aller limer. Wow. C'est débile quand ça fait ça. Wow. Ouais. Moi, je vise pas dans le bon trou. Petite blague pour personnes qui peuvent penser croche. Je suis pas une bonne viseuse de trous. Puis j'aime les grosses bites. Ok, on va s'assurer ça. Va cuire! Voilà. Puis là, on a recommencé parce qu'il y a manqué un petit peu de top coat ici. J'avais pas vu à cause du vidéo. Parce que je regarde tout le temps. Comme à côté de la caméra. Je regarde pas dans la caméra. Mais bon, on va apprendre. Fait que... Là, ça, c'est l'autre truc que j'aime bien. Écoutez bien. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, je l'ai entendu. Ça fait squeak-squeak! Et voilà. Un ongle en gel déco à l'intérieur. Fait que moi, j'aime mieux faire ça comme ça, même si c'est plus facile de mettre par-dessus. Mais j'enlève de toute façon au complet mon gel à chaque fois pour aller voir si l'ongle naturel est en santé ou pas. Fait que c'est un petit peu plus long à enlever, mais moi, je préfère ça comme ça. Fait que j'espère que ça vous a plu, puis on se revoit pour une autre vidéo. Bye!